enrichir les mathématiques. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider à vous en sortir dans les mathématiques. Alors, avant de commencer, je vous invite d'abord de liker la vidéo pour me laisser un pouce bleu. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Bien, et c'est parti. Et si vous aimez aussi la musique, je vais posséder aussi une chaîne de Jazzsang, là où je mets mes musiques gospel. C'est parti. Bien. Enlevez la peur et avoir confiance en ce que vous faites. La première chose qui vous pousse à échouer, c'est parce que vous avez peur et c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vous, à votre potentiel, vous allez absolument réussir la mathématique et devenir de bons mathématiciens. Écoutez le professeur quand il parle. Soyez avec lui, soyez avec son esprit, soyez dans tout ce qu'il fait. Soyez avec lui quand il vous produit des conseils ou quand il résout des équations. Asseyez-vous avec des gens qui connaissent, des gens qui vont vous aider à vous en sortir, des gens qui vont vous aider à essayer de vous recevoir un esprit calme. Et aussi, réviser la maison. Que ce soit avec votre père, que ce soit avec votre mère, étudiez, prenez courage pour qu'à la fin vous puissiez réussir. Même si vous étudiez par exemple dans la douche ou n'importe où, ayez toujours un temps d'étudier. Un temps aussi d'être fort. Et après, il faut toujours lever les doigts, poser votre professeur des questions afin que vous puissiez savoir, afin que votre cerveau puisse détecter les problèmes qu'il a lors de l'écoute. Il ne faut jamais sortir en classe sans rien écouter, mais il faut toujours sortir en classe avec la matière dans la tête. Évitez de dormir en classe lorsque le professeur enseigne, parce que quand vous dormez, les autres deviennent d'Einstein. Et quand vous somnolez, les autres deviennent des génies. Parce que lorsque vous perdez votre temps en train de dormir, la vie s'achève et vous perdez davantage. Et aussi, il faut avoir un temps de somnoler à la maison pour que vous puissiez vous reposer. Parce que quand on se repose, le cerveau aussi se repose pour qu'il puisse aussi gagner de l'espace dans sa mémoire. Alors les gars, je suis sûr que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite d'abord de me laisser un pouce bleu, liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Alors, malgré tant de sacrifices que vous avez fait, n'oubliez pas qu'à la fin des mauvaises choses, il y a toujours une bonne chose qui commence. Vous avez étudié, maintenant vous avez un diplôme, vous avez maintenant des vrais amis et vous avez maintenant une vraie vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je vous demande de me les poser dans les commentaires et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine pour vous.